ce Grand Prix de Bavois, c'est un Grand Prix qui se courra dans la grande salle de Bavois. On va monter une piste de slot car. Le slot car, c'est les courses de voitures à l'échelle 1/32e. Et la piste qu'on va monter, on a déjà testé samedi passé, elle fait 140 mètres à l'échelle 1/32e, donc avec des vitesses de pointe qui sont possibles sur la piste à 25 km/h. Et si on ramène ça à l'échelle 1, on arrive à du 450 et 500 km/h en réel. Et on tourne avec 15 voitures simultanément, donc chaque voiture a sa couleur et chaque pilote a la manette correspondant à la couleur de la voiture. Il y a des possibilités de dépasser. Quand on arrive sur des zones, on pèse sur un bouton, ça fait un aiguillage et on peut changer de voie pour pouvoir dépasser ou prendre des virages à l'intérieur ou rentrer sur le pit lane où on peut faire les pleins des voitures. C'est-à-dire que la consommation, elle diminue. Et ça, le pilote a un écran en face de lui avec des barres qui diminuent. Et chaque fois qu'il y a une barre qui diminue, ça veut dire que le carburant s'amenuise. Et en passant dans la pit lane, ça recharge le carburant à environ à 10 litres secondes. Donc il y a possibilité de tomber en panne sèche. Alors sur notre circuit actuel qu'on vient de tester, la panne sèche elle équivaut à ce que vous continuez à tourner la même chose, simplement que ça ne va plus compter les tours. Donc vous êtes pas hors course, mais il faut passer par l'instant pour pouvoir faire le plein. Avant, on avait un autre système qui faisait qu'on vous réduisait la vitesse à 30% de la vitesse normale et vous deviez passer au stand. Et quand vous aviez fait le plein, bah vous pouviez retrouver la même puissance qu'avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est ouvert au public, donc tout le monde peut venir. Il y a une finance qui est demandée pour accéder aux manettes. Donc c'est pour le week-end complet. Une famille, c'est 20 francs. Un adulte, 10 francs. Et les enfants, 5 francs. Mais c'est pour le week-end complet. Le samedi soir, on aura le Grand Prix, le fameux Grand Prix. C'est une endurance d'environ 50 minutes. Et dans cette endurance-là, ben, il y a des équipes de 3 ou 5 personnes. Et le prix pour le premier qui gagnera ce Grand Prix, c'est une boîte assez conséquente, un circuit. C'est un circuit Scanectrics d'une valeur de 800 francs. Et le vendredi soir, ça c'est un petit peu plus fermé, on aura les communes. Donc les communes avoisinantes de Bavois qui sont inscrites, il y a déjà plusieurs communes qui sont inscrites, et ils vont venir se battre les communes contre les autres. Là. On verra quelle est la commune la plus rapide. Voilà, c'est un petit peu le concept.